Cette vidéo est sponsorisée par le site Parkage.com. Salut les amis, bienvenue chez Benji McFly. On fait péter un petit display de 8 Premium Pack Real of the Gods, la BT16 Dragon Ball Super Card Game. Ça y est, elle est sortie, vous avez tous accès à cette BT16. Vous avez certainement déjà vu ma vidéo avant-première. Pas de carte secrète et encore moins la God Rare. Alors peut-être qu'elle se cache à l'intérieur, la God Rare, avec un petit peu de chance. Je tiens à remercier Parkage ou Parkage, d'ailleurs je sais pas comment ça se prononce, mais j'ai envie de dire Parkage, ça sonne beaucoup mieux. Je remercie donc le site Parkage.com pour ce partenariat. Je vous rappelle, pour ceux qui ne sont pas au courant, vous avez droit à une réduction de 5% sur le site Parkage.com en entrant le code de réduction qui est dans la description et dans les commentaires de la vidéo. Toute économie est bonne à prendre, donc surtout n'hésitez pas. À l'intérieur de ces displays 8 premium packs, je vais en ouvrir 4 dans cette vidéo et les 4 prochains je les ouvrirai en live avec vous, donc pensez bien à vous abonner et activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait pour savoir quand est-ce que je vais ouvrir les 4 prochains premium packs. Le display de 8 Premium Pack 7, le voici, c'est les Realm of the Gods, la BT16 Dragon Ball Super Card Game. Donc c'est tout noir, il n'y a pas grand chose à voir sur ce display. Ce qui nous intéresse, vous le savez, c'est ce qui est à l'intérieur évidemment. J'enlève délicatement le blister, ben, finalement c'est pas délicatement, voilà. Allez, on arrache tout, on s'en fout et on va ouvrir le petit capot. Où est-ce qu'il s'ouvre? C'est ici. Hop, le display est ouvert. Donc les 8 Premium Pack, on va déjà en choper. Je prends le premier. Voici le visuel de ce premium pack avec un beau Goku Migate no Gokui. C'est le PP7, donc le premium pack volume 7 en version française. À l'intérieur, on va retrouver deux cartes promotionnelles de Son Goku Super Saiyan God et comme toujours, 4 boosters de la série en cours, donc la BT16. Pour rappel, cette série se compose de 164 cartes au total. Il y a 60 cartes communes, 38 cartes peu communes, 30 cartes rares, 18 super rares, 14 spéciales rares, c'est beaucoup hein, 3 secrètes rares et la fameuse God rare que tout le monde veut absolument dropper en ouvrant les boosters. Alors est-ce qu'elle va se trouver dans ce display de 8 premium packs? Eh bien, nous allons savoir à travers cette vidéo et à travers le futur live. Alors, j'ai eu la bonne idée de paumer mon cutter. Bon, bah du coup, on va faire avec la pointe du ciseau. Tac, j'ouvre par l'arrière, c'est toujours plus simple. On retire tout ça et on va d'abord découvrir cette fameuse carte promotionnelle de Son Goku. Je vais l'ouvrir puisque de toute façon, je vais en avoir 8x2, donc 16 fois cette carte-là avec le display. Eh bien, elle est pas mal. Elle est pas mal du tout. La Son Goku Super Saiyan God, vous le voyez, elle y est en 2 exemplaires. Restriction divine. Je rappelle pour les joueurs, si vous voulez lire le texte, vous mettez pause sur la vidéo. Il s'agit donc de la carte promotionnelle 362 avec un joli effet métallisé. J'espère que ce petit Goku Super Saiyan God nous annonce du lourd pour cette ouverture. Allez, je prends les 4 boosters qui étaient à l'intérieur. J'ai eu peur. Je me suis dit, il n'y a que 3 boosters. Non, c'est bon, le quatrième, il était bloqué à l'intérieur de la boîte et il voulait pas sortir. Ma foi, peut-être qu'il nous cache quelque chose de bien. On l'ouvrira en dernier. Allez, bah vous savez quoi, on va commencer avec Goku Migate no Gokui. Le booster est ouvert et il s'agit du premier booster de cette ouverture, les amis. On commence avec une carte de Whis, préparatif d'avant-combat. Je retourne comme d'habitude les 2 dernières cartes pour ne pas se spoiler. Carte commune de Whis, Mira, univers 7 unifié, cette carte elle est géniale. On passe aux cartes communes avec Demigra défiant un dieu démon, Vegeta puissance maîtrisée, Son Gohan, Vegeta super saiyan, Gravy annihilation à portée de main, Mojinan, Sawar ange de l'univers 2 et nous sommes déjà sur les 2 dernières cartes de ce premier booster. Je retourne. L'avant-dernière carte c'est Fine, présage d'évolution, c'est la carte BT16 121 commune. Allez allez, qu'est-ce qu'il y a derrière cette première carte? Ça briote. Est-ce qu'on est sur une carte SR? Marcarita, ange de l'univers 11. Déjà je ne pense pas l'avoir eu celle-ci sur la première ouverture. Il y a du gold et c'est une carte SR. On commence par une carte SR. Ça, ça fait méga plaisir. Alors, je vous confirme, cette carte, je ne l'ai pas. Donc, c'est très bien, ça complète la collection. C'est la carte SR numéro 144.
et on ne perd pas les bonnes habitudes. On protège la carte et serre pour ne pas qu'elle s'abîme. Ça, c'est impératif. On prend le second booster. Eh bien, écoutez, on continue avec Whis et Beerus, l'ange et le dieu de la destruction. Je vous rappelle que mon chat s'appelle Beerus, hein, donc ce serait bien qu'il m'offre quelque chose de bien dans ce booster. Alors, attendez, hop. On retourne les deux dernières, j'ai pas envie de me spoiler ce booster. On commence avec une carte leader de Champa, la victoire à tout prix. C'est la 47, peu commune. On regarde sa seconde face, celle-ci je l'avais eue sur l'ouverture du premier display. Vados, préparatif d'avant combat, carte 48, peu commune. Bon, on va avancer un petit peu, hein, parce que de toute façon, vous avez déjà bien vu les cartes avec ma première vidéo. KB, Vegeta, Son Goku, l'arbitre présentation des combattants. Vol de corps et on est sur les deux dernières cartes. Hop là, on a Konik, la carte commune numéro 134. Allez, on a eu une carte SR, je pense qu'on va tomber sur une rare. Parce que généralement, c'est une carte SR par Premium Pack, mais c'est pas garanti, ça m'est déjà arrivé d'avoir 4 cartes rares. Bon là, ça me confirme, on est sur une carte rare, c'est Pan, défiant un dieu démon. Elle est très jolie, c'est la carte 105 rare, très très sympa. Très kawaii. Troisième booster, alors je disais que j'avais déjà eu 4 cartes rares dans un premium pack, mais il m'est déjà arrivé, souvenez-vous, d'avoir 2 SPR dans un premium pack. Donc j'ai envie de dire, tout est possible avec ces premium packs. KB, Super Saiyan, évolution de la colère sur la première carte. Est-ce qu'on va avoir une carte rare, une carte SR ou une carte SPR sur la fin de ce booster? Une carte leader en seconde carte, c'est la 001, peu commune de Goku. Elle est franchement trop belle. Kaioshin du temps défiant l'Empire, l'éradication de l'univers, C-17, Son Goku puissance maîtrisée, Son Gohan l'intercepteur, Beerus esthétique de la destruction, la planète sans nom et Zamasu magnifique plan d'éradication. On est sur les deux dernières, je retourne, nous avons Dieu Démon Grévy. Alors lui je l'ai eu plein de fois sur le premier display. En avant-dernière carte, c'est une carte commune, c'est la 119, et derrière nous avons a priori une carte rare de Awamo, ange de l'univers 1. Je me rappelle pas si je l'ai eu celle-ci, j'ai un gros doute. C'est la carte rare numéro 132, le fameux booster de Black Goku Rosé qui ne voulait pas sortir de sa boîte. Alors est-ce qu'il nous cache du coup une belle carte? Parce que vous le savez, moi quand il y a un truc qui fonctionne pas bien, généralement ça me réserve une belle surprise, mais bon. C'est pas systématique non plus. Allez, on sort les cartes. Je retourne les deux dernières. Je vous dis pas si j'ai senti quelque chose au toucher. On se garde le suspense. Golden Freezer sur la première carte. Mei, Gogeta Super Saiyan. Une carte leader de Whis. Elle est magnifique. De toute façon, les cartes leader, elles sont toujours splendides. Trunks Super Saiyan. L'Observateur. Monaka. Campari. Mojinan. Frost. Et les deux dernières. Allez, allez, le petit booster de Black Goku. Nous avons Coercition avec Zamasu, c'est une carte commune numéro 93. On descend tout doucement. Bon, ça m'a pas l'air terrible. Hein. Bon, ben non. Goku Black, bon, ben en tout cas, ça cachait une carte de Goku Black. Celle-ci, je l'ai eue la dernière fois, je m'en rappelle. Surpassant le temps, c'est une carte rare et c'est la numéro 88. Premier premium pack, 3 cartes rares, 1 carte SR. Allez, on va choper un autre premium pack. J'ai envie de prendre celui-là. Je prends au hasard, je ne prends pas forcément dans l'ordre. Je l'ouvre par le QQ comme toujours. On va sortir les 4 boosters. La carte promotionnelle, maintenant vous le savez, c'est Goku Super Saiyan God. Donc on le met de côté. Et on va commencer cette fois-ci, allez, avec le Black Goku Rosé. On commence avec Vados, ange de l'univers 6, avec ce premier booster du second premium pack, c'est une carte peu commune. Hit, carte leader de Goku, on l'a vu juste avant, Robelu, Vegeta, Trunks, Sangoku Super Saiyan, Korun, monstre de la planète, Majeta. Allez, on est sur les deux dernières. Towa, annihilation à portée de main. Elle nous fait un petit sourire coquin, genre allez viens je te prépare quelque chose, peut-être qu'il y a une grosse carte derrière. C'est une carte commune, c'est la 116, elle est super classe. Allez, allez, cache-nous quelque chose de bien, s'il te plaît. Déjà, il y a du gold. Il y a du gold. Allez, est-ce qu'on va avoir du blanc autour du titre? Non. Bon, on est sur une carte SR, c'est déjà bien. Whis, convocation. Eh bien, écoutez, ça nous fait un second ange sur une carte SR. Donc, la petite carte SR numéro 131.
de notre ami Whis. On a eu Whis, du coup, je prends le booster avec Whis et Beerus. Je sors les cartes. Ce n'est pas un God Pack, comme vous l'avez remarqué. Je rappelle pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un God Pack, c'est tout simplement un booster rempli de cartes rares et SR. Carte peu commune de Kaioshin, Zamasu, une très belle carte leader de Trunks Super Saiyan God, qui aurait vraiment, vraiment, vraiment mérité un bel effet foil, c'est dommage. Gogeta Super Saiyan sans retenue, Éradication de l'univers, Monaka, Demigra, Zamasu, Finn et Sawar. Les deux dernières sont ici. Bon alors lui, on l'a eu un milliard de fois déjà entre le premier display et les quatre premiers boosters. Hop hop hop, on descend, c'est pas terrible. Le Royaume des Dieux, Destruction de Champa, c'est une carte rare. Bon, le Champa, il est sympa. Le petit regard coquin, voilà, je t'envoie une petite attaque dans ta tête et ça va faire mal. On choisit qui? Allez, on se garde le Trunks pour la fin de ce Premium Pack. Et j'ouvre maintenant le booster de Goku Migate no Gokui. Est-ce un God Pack? Non, évidemment, je préfère avoir une secrète qu'un God Pack. Les deux cartes à l'arrière sont retournées. Whis, préparatif d'avant-combat. Dabra. Encore une carte leader, il y en a beaucoup décidément. Le Grand Prêtre, magnifique carte du Grand Prêtre. Univers 7 unifié, Vegeta, Son Goku, Trunks Super Saiyan, Dieu Démon Grévy, Campari et Whis. Et on retourne. La planète sans nom, l'avant-dernière carte, carte commune numéro 68. Je descends tout doucement, ça sent la carte rare. Le Royaume des Dieux frappe du héros pourpre, et c'est bien ça. C'est un beau Trunks qui est sur cette carte rare, c'est la numéro 125. Il est tout feu, tout flamme, il est divin. On a eu un Trunks Super Saiyan God en dernière carte, et bien on finit ce Premium Pack avec un booster de Trunks Super Saiyan God. Pour l'instant, dans ce Premium Pack, on a eu une SR et deux cartes rares. On espère avoir mieux sur ce booster. Peut-être une carte SPR, peut-être pas. Le Grand Prêtre, invitation au combat, KB Super Saiyan, encore une carte leader avec Champa, on l'a déjà vu. Whis, soutien du renouveau, Vegeta, Son Goku Super Saiyan bleu, l'Observateur, Piccolo, Botamo, uni dans la volonté, très belle carte du Super Shenron. Et on est sur les deux dernières cartes, je retourne. L'attaque de l'Empire, sombre, carte commune 123. Allez, allez, on y croit, on y croit, on y croit, on n'y croit pas. Frost par tous les moyens, c'est la carte rare numéro 136 et celle-ci de mémoire je l'ai déjà eu dans le premier display. Pour l'instant, deux cartes SR, tout le reste c'est des cartes rares, on n'a pas fait tomber deux cartes SPR et encore moins une secrète et encore moins une God rare. On se remet à l'intérieur de ce display de Premium Pack et je prends celui-ci. Allez, au hasard, comme tous les autres, désolé, tu y passes, mais je t'ouvre le cucu et je récupère ton contenu. Les cartes promo de côté, allez, je prends dans l'ordre. On commence avec le petit Goku. Alors attendez, il y a une carte qui ne veut pas descendre. Ça, c'est certainement la God rare, je vous le dis. Elle est bloquée, c'était la God rare. Allez hop, c'est parti. On ouvre ce premier booster de ce troisième Premium Pack. Ah ! J'ai senti quelque chose. Est-ce que c'est une carte SR ? Est-ce que c'est mieux ? J'ai senti une aspérité en retournant les cartes, les amis. Allez, suspense. Déjà, on a une très belle carte peu commune de Videl, l'Interceptrice. Golden Freezer et C17, magnifique. Vados, Demigra, Vegeta, puissance maîtrisée, ombre superposée, Vegeta, Super Saiyan, le poursuivant, Gravy, annihilation à portée de main, et Martine à la plage, ange de l'univers 12. Ah bah c'est pas terminé. Il y a encore la légende du Super Saiyan God avec Beerus. Bon, j'ai la caméra juste en face qui avait plus de batterie. Heureusement, j'avais une petite batterie de secours. Bon, où est-ce que j'ai mis les cartes? Du coup, c'était en plein suspense. Je reprends les deux dernières cartes. Je vous l'ai dit, j'ai senti quelque chose en retournant les deux dernières cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà sur l'avant-dernière? L'arbitre, présentation des combattants. Ça m'est arrivé plein de fois de dire, j'ai senti quelque chose, mais c'était tout pourri derrière. Est-ce que ça va être le cas ici? Bon, j'ai les cartes communes qui se cassent la gueule. Tout va bien, plus de batterie, les cartes communes qui se cassent la gueule. Ça, généralement, ça réserve une bonne surprise. Bon, alors, on descend un petit peu. Oh, les couleurs, déjà. Vous savez que c'est les couleurs... Ah, je sais pas. Je crois que c'est la SPR que j'ai eue la dernière fois. Mais c'est aussi les couleurs de la God Rare. Bon, je vais pas y croire, à la God Rare, honnêtement, j'y crois pas du tout. Je crois que je suis tombé sur la même SPR. Allez.
Je crois que c'est... Ah oui, c'est la même SPR. Alors ça, c'est vraiment pas de chance. Kudzu, ange de l'univers 10. Alors j'avais dit que je la kiffais beaucoup, cette carte SPR. Elle est très belle. Bon, bah désormais, j'ai cette carte SPR à échanger avec vous. J'aurais bien aimé tomber sur une autre. Le haut de la carte, comme c'est un petit peu jaune-orange, ça ressemble beaucoup à la god rare de Vegeta. Ça fait un petit peu balisé quand on voit cette couleur apparaître. Bon, ben moi, je suis tombé sur un double. Bon, ça reste une SPR, ça fait quand même plaisir. Allez, je la protège et vous le savez, cette carte est maintenant disponible à l'échange. Il nous reste 3 boosters sur ce premium pack. On a eu une carte SPR dès le premier booster. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir avec les autres boosters? Est-ce qu'on va avoir une carte SR, une autre SPR ou peut-être une carte secrète, hein, soyons fous. Mais pas de cartes rares, hein. Les cartes rares c'est bon, on en a eu assez, on veut plus maintenant. Mira, loyauté sans faille sur cette première carte, encore une carte leader, cette fois-ci c'est Beerus, la victoire à tout prix. Je sais plus si on l'a eu là ou la dernière fois. Bulma, avenir en jeu, éradication, on l'a eu 500 fois. Whis, dieu démon, Sangohan, Beerus, renfort et coercition. On est sur les deux dernières. Poutine, annihilation à portée de main. La carte 118, commune. Ah, il y a du gold. Il y a du gold, donc on est sur une carte SR, les amis. Kudzu, ange de l'univers 10. Eh ben, ma foi, on a eu la SPR de Kudzu et on a la carte SR. On a eu les deux variantes sur un même premium pack. Eh bien, écoutez, même la carte SR est très sympa. Cette carte 139 est magnifique. Là, je pense que le suspense n'est plus trop présent sur ces deux boosters. Je doute qu'on ait mieux... qu'une carte rare, on va quand même les ouvrir, on ne sait jamais. Allez, le petit Whis, le petit Beerus, hein, vous pouvez nous offrir une carte secrète, on ne vous dira rien. Cette carte, la peu commune de Goku Black Super Saiyan, je la kiffe, elle est magnifique. Avec un Zamasu de l'autre côté, franchement, c'est une grosse réussite. Derrière, nous avons Rumshi. Alors, j'ai eu le même début sur un autre booster avec le premier display. Franchement, j'ai l'impression de voir... le même booster. Allez, Son Goku Super Saiyan Blue, Zamasu et l'attaque de l'Empire Sombre. Du coup, on retourne les deux dernières. On a Konik, ange de l'univers 4 sur l'avant-dernière. Et normalement, ici, c'est seulement une carte rare. Trunks Super Saiyan, l'intercepteur. C'est confirmé, c'est une carte rare. Hop là, c'est sorti. On a Jeu décontracté de Beerus. Je retourne les deux dernières et c'est une carte peu commune. Trunks, encore une carte leader. Elle est splendide. Mais imaginez-la avec un bel effet foil ou métallisé, arc-en-ciel, ce que vous voulez. Mais en tout cas, cette carte est magnifique. Elle aurait été encore plus belle avec des petits effets supplémentaires. C'est une pépite, hein. Franchement, elle est très très belle. Vados, Yajirobe, Sangoku, Kabe, Morito, Beerus, l'arbitre... Je sais pas pourquoi je prends un accent allemand d'un coup. L'arbitre, présentation des combattants, n'importe quoi. Allez, on retourne les deux dernières cartes. Vol de corps, la carte numéro 94. Commune, on descend tout doucement et on découvre certainement une carte rare, c'est bien ça. Naissance du héros pourpre, et celle-ci je l'avais eu sur le premier display. Quand je vous dis que je l'ai déjà eu dans un premier display, bah, vous savez que c'est disponible à l'échange. Et je vais choisir le dernier premium pack que j'ouvre dans cette vidéo. Les 4 suivants, vous l'avez compris, ce sera en live avec vous. Et je prends celui-là. Allez, hop, tu sais très bien ce qui t'attend. On continue dans la lancée. Je t'ouvre par l'arrière. Hop, là, c'est fait. Allez, donne-moi tout ce que tu as. C'est parti, tout est sorti. Allez, les cartes promo, on les met de côté. On commence dans l'ordre. Je prends le petit Goku. Qu'est-ce que nous allons avoir cette fois-ci? Est-ce qu'on va faire péter une petite carte secrète? Ça ferait pas de mal. Oui, ce soutien du renouveau. Son Goku Super Saiyan. Le Grand Prêtre. Encore une carte leader qu'on vient juste d'avoir. Vegeta. Vegeta Super Saiyan, Vegeta, Finn, Korun et Beerus. Allez, on retourne. Il y a eu du Vegeta hein, sur ce booster. Mais on va pas espérer la God Rare. Ce serait beaucoup trop beau. Ah ben encore du Vegeta. Hein, bon, évidemment, j'aurais préféré une carte secrète de Vegeta ou la God Rare de Vegeta. Mais on va se contenter de la carte rare, mais qui est très belle. Elle est très très belle, cette carte rare. La numéro 12 de la BT16. Je suis sûr que celle-ci vous la kiffez. Vraiment très très jolie. On a eu Vegeta, bah du coup on va prendre le fiston, le petit Trunks Super Saiyan God qui est tout fier de nous présenter sa nouvelle transformation et sa petite couleur rouge. Allez, on sort les cartes. Bon, bah, on vient de se spoiler la fin. Voilà. Bravo. On sait déjà
qu'à l'arrière, il y a une carte rare. On peut aller directos sur la carte rare. C'est donc la carte rare 130 de Zamasu, fusionnée condamnation divine. Bon, bah là, on est allé plus vite, du coup. Je préfère me spoiler une carte rare qu'une belle carte SPR ou une carte secrète. Ah, allez, on se garde qui pour la fin? Bon, on va se garder le Black Book. Virus, et oui, s'il est temps de nous montrer tout l'étendue de votre pouvoir, qu'est-ce que vous êtes capable de m'offrir? On commence avec une très belle carte Super Shenron que j'avais eue en pré-release, rappelez-vous, elle était magnifique. Renaissance de l'univers, c'est la carte numéro 4, peu commune. Videl, Zamasu, Sangoku, Vados, Robelu, Vegeta, Vol de Corps, Towa et Mojito. Allez, on retourne les deux dernières cartes. Est-ce que l'ange et le dieu de la destruction vont assurer le steak? Il y a du gold, il n'y a pas de blanc autour du titre, on est sur une carte SR. Sangoku Super Saiyan God, transformation miraculeuse, elle est pas mal du tout. Très belle carte SR de notre beau Goku avec ses jolis petits cheveux tout roses et les petites flammes dorées autour de lui, c'est très sympa. C'est la numéro 24 de cette BT16. C'est l'ultime booster de cette ouverture. J'ai gardé le Black Goku rosé pour la fin, tout simplement parce que je le kiffe. Voilà, j'adore Black Goku. Il est super beau avec les cheveux roses. Et on va découvrir ce qui nous cache. Allez, je retourne les deux dernières. Petite carte secrète, là, ce serait bien. Freezer, combinaison de l'univers 7, la peu commune numéro 11. Son Goku, une carte leader de dieu démon d'Abra Éveil. Diabolique, voici son autre face. D'ailleurs, vous me direz dans l'espace des commentaires, hein, qui a eu une carte secrète et qui a eu la God Rare, hein, celle que tout le monde veut absolument dropper. Allez, Whis, renfort de l'Empire Sombre. Et nous sommes sur les deux dernières cartes. Unis dans la volonté, le super Shenron et Zamasu en avant-dernière carte. Allez, allez. Allez, allez. Allez, allez, non. Trunks, Super Saiyan. De Avenir en jeu, c'est une très belle carte rare que j'ai déjà obtenue la dernière fois et que j'ai aussi obtenue en pré-release, qui est magnifique en pré-release. Hein. On se fait un petit récap de ce qu'on a obtenu avec ces 4 premiers Premium Packs. Je vous rappelle que les 4 prochains seront ouverts en live. Donc on a eu évidemment les 2 cartes promotionnelles qui sont offertes dans chaque Premium Pack. On a ensuite eu les cartes rares, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, et voilà, on est arrivé aux cartes SR avec Sangoku Super Saiyan God, transformation miraculeuse. Encore une carte SR avec Kuzu, ange de l'univers 10, hein, la variante de la carte SPR, c'est la 139 SR. Whis, convocation, la 131 SR, et Margarita, ange de l'univers 11, ce qui fait qu'on a droppé 4 cartes SR et, je vous rappelle, une très belle carte SPR que j'ai déjà eue la dernière fois. Donc elle est disponible à l'échange, mais une carte SPR quand même. Dans la logique, avec les 4 prochains Premium Packs que je vais ouvrir en live, il y a une carte SPR. Il peut aussi y avoir une carte secrète. Il peut évidemment y avoir une God Rare, même si je n'y crois pas. Mais on croise les doigts, on ne sait jamais. Encore merci au site Parkage.com pour leur confiance. Merci d'être mon partenaire pour cette vidéo. Vous l'avez compris, je l'ai dit 10 fois dans la vidéo, mais on va ouvrir les 4 prochains Premium Packs en live. Donc surtout, activez la cloche de notification pour savoir quand est-ce que ça arrive. Vous pouvez également être averti sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Les liens sont dans la description. Comme d'habitude, on se rejoint dans l'espace des commentaires. Vous allez me dire ce que vous avez pensé de cette ouverture. Qu'est-ce que vous avez eu, vous, pendant vos ouvertures de la BT16? Je suis sûr qu'il y a des chanceux qui ont eu la God Rare et vous allez me faire baver avec ça comme d'habitude. Je vous souhaite bonne chance pour vos prochaines ouvertures de boosters. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !